Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes toujours à Lyon et nous sommes toujours au congrès national du bâtiment durable. Et avec moi, Florence Liévin, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes déléguée générale de Coenov, de l'association Coenov. Est-ce que vous pouvez nous la présenter ? Oui, tout à fait. Coenov est une jeune association. Nous nous sommes constitués en septembre 2014 dans le cadre des débats sur la loi de transition énergétique avec une conviction profonde et qui ne nous a pas quittés depuis, qui est que la réussite de la transition énergétique passera forcément par un mix énergétique pluriel et diversifié et qu'au sein de ce mix énergétique, le gaz, énergie progressivement renouvelable, a toute sa place. Voilà, parce que vos adhérents sont principalement des acteurs du gaz. Alors, pas que. Nous avons avant tout des industriels fabricants d'équipements de chauffage. Alors, certes des chaudières, mais également des pompes à chaleur, des panneaux solaires, des énergéticiens, en effet, qui, eux, ont un tropisme plus gazier, mais également les organisations professionnelles du bâtiment. Donc, nous voulons représenter la filière gaz dans le bâtiment, mais ce qui fait vraiment notre ADN, c'est la question de la complémentarité des énergies et donc, finalement, de tirer le meilleur parti de chacune des énergies. Voilà, on parle du mix énergétique. Vous avez des actions, évidemment, on va parler des actions que vous menez, par exemple, sur la construction neuve. Oui, c'est un secteur d'intérêt, même si je pense qu'on peut dès à présent relativiser son poids. La construction neuve, il faut le rappeler, c'est 1% du volume annuel et 1 pour 1000 en termes de consommation. Donc, il est extrêmement important, certes, de s'y consacrer, mais on y reviendra juste après. Voilà, après, on va parler de l'enjeu, voilà, qui est la rénovation. L'ensemble des actions doivent être concentrées sur la rénovation. Comment vous voyez le neuf ? Voilà, sur le neuf, ce qu'on peut dire, c'est que l'ART 2012, déjà, nous a emmenés dans un très haut niveau d'exigence, parmi les plus hauts au niveau de l'Europe, et qu'on a eu quand même une courbe d'apprentissage, un temps d'appropriation de la part des acteurs, de la filière du bâtiment, qui est maintenant bien acquise, mais qui n'a pas été sans conséquences. Et donc, nous appelons quand même globalement à un certain pragmatisme dans ce qui va être mis en œuvre sur la réglementation environnementale en 2020, la fameuse RE 2020, qui a de grands avantages, qui sont notamment de prendre en compte l'ensemble des usages du bâtiment et non plus les 5 usages tels qu'on le connaissait actuellement, et également de travailler sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment, que ce soit la construction et l'exploitation. La construction et l'exploitation, c'est important, hein ? C'est d'autant plus important qu'avec la décarbonation des énergies, finalement, on va avoir un rapport qui va pas complètement s'inverser entre la construction et l'exploitation, mais quand même qui va avoir tendance à bouger sensiblement. Je m'explique. Jusqu'alors, on avait tendance à dire fréquemment que la construction, c'est 50% du poids au niveau du carbone, notamment par rapport à l'exploitation. Avec la décarbonation des énergies, on va aller vers un contenu carbone de ces énergies qui va tendre à aller vers zéro. Du coup, le poids de la construction va devenir de plus en plus prégnant et ce ne sera plus 50% des émissions qui vont être faites à la construction, mais jusqu'à 75%. Et ce sont des données que nous avons assises sur une étude qui sera prochainement mise à disposition sur notre site internet. Donc attention, l'exploitation avec des énergies renouvelables, l'impact, on va dire, de l'exploitation sur le carbone va diminuer. Ça, c'est ce que vous constatez. C'est exactement cela. Donc, axons nos efforts, et même plus globalement, sur la question du bâti, sur la question de la réduction des besoins. Eh bien, on y va. Partons sur la rénovation. C'est là qu'est l'enjeu. C'est ce que vous dites, clairement. Oui, clairement, l'enjeu est là par rapport au parc existant, par rapport à la volonté d'éradiquer les passoires thermiques, qui est une priorité forte de notre gouvernement, et avec la priorité nationale qui a été émise en mai 2018 du plan national de rénovation énergétique des bâtiments. De votre point de vue, comment il faut faire ? Est-ce que je dois faire un bouquet ? Est-ce que je dois... je sais que vous avez une approche un peu alternative à ces questions. Oui, c'est de nouveau ce que nous on appelle du pragmatisme, c'est-à-dire que opposer systématiquement la rénovation globale à la rénovation par étapes ne nous semble absolument pas être une voie d'avenir. Clairement, quand il est possible de faire de la rénovation globale, parce que les financements sont là, parce que le site n'est pas occupé, donc il n'y a pas de nuisance trop importante, il faut clairement y aller. Et c'est ce qui va nous amener vers un parc BBC Réno que l'on souhaite à 100% en 2050.
Par contre, ce n'est pas la majorité des situations qui sont rencontrées au sein de la population française. Tout le monde ne peut pas débourser 30 000 euros. Tout le monde ne peut pas se permettre d'avoir 2, 3, 4 corps d'État dans son habitation pour refaire et les fenêtres, et l'isolation intérieure, et les planchers. Donc là, oui, on appelle au par étape, mais un par étape qui est raisonné, qui est raisonnable et qui part d'un état des lieux initial, fiabilisé, stabilisé, alors que ce soit un audit, un passeport, un DPE. Quelque part, la question n'est pas tant de savoir comment on l'appelle, mais de véritablement fiabiliser cet outil qui nous dit d'où on part et surtout jusqu'où on va aller pour se mettre dans ce BBC Rénaud en 2050. En fait, tout est bon à prendre, on va dire, dans la rénovation. C'est oui, un peu ce que vous dites. Tout est bon à prendre dans l'optique où on reste bien dans la trajectoire du BBC Rénaud. Et c'est là où on peut avoir certains détracteurs qui nous disent « Attention, à faire du par étape, vous tuez le gisement. » Et on peut l'entendre. Il est vrai que certaines opérations d'isolation, par exemple, peuvent être non pas contre-productives, mais ne pas nous mettre dans cette trajectoire. Au motif que, certes, elles vont amener un gain de performance énergétique, mais qui ne sera pas suffisant pour que l'on soit BBC Rénaud, donc 80 kWh par mètre carré et par an. Et on sait très bien que des personnes qui vont avoir investi et des sommes parfois conséquentes dans cette opération d'isolation ne vont pas aller refaire l'isolation 5-10 ans plus tard au seul motif que la première fois, elle n'était pas suffisamment performante. Donc c'est pour ça qu'il faut bien insister sur l'état initial et sur cette trajectoire, sur cet accompagnement des populations, qu'elles soient particuliers, qu'elles soient administrations. Hein, quelque part, on est tous concernés dans nos bâtiments, dans nos lieux de vie, pour nous emmener vers du mieux, vers du plus, vers ce BBC. Voilà, donc il faut faire baisser, il faut baisser, mais il faut aussi sensibiliser. Exactement. Sensibiliser et travailler, alors après, sur les systèmes. Et là, comme vous représentez quand même aussi les fabricants, on va dire, de chaudières, par exemple, comment ils travaillent aujourd'hui sur ces systèmes? On entend beaucoup parler de la chaudière à condensation. Où on en est aujourd'hui avec ces produits? Alors, vous avez raison. C'est le produit qui est clairement réglementaire, hein, et généralisé dans le neuf. Ce qu'on oublie par contre souvent, c'est que cette chaudière à condensation à haute performance, comme on l'appelle également, ne représente encore que 25% du parc existant. Donc il y a une marge de progression qui est extrêmement importante sur le renouvellement, le remplacement des produits. Et cette marge est d'autant plus intéressante quand on parle de transition énergétique que l'on a un gain substantiel au niveau des produits, puisque l'on sait que le changement d'une chaudière standard basse température par un produit à haute température, donc à condensation, va amener un gain direct de 30%, donc en termes de consommation, mais également en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Il y en a quand même peu, des gestes qui, en une seule fois, vous permettent d'économiser 30%. Autant, d'aller aussi vite. Donc, ça veut dire que si on couple ça avec l'isolation de ces combles, ça permet déjà un gap important. Exactement, on arrive quasiment systématiquement à 50% d'économie. Et c'est là où, comme vous le disiez, il faut sensibiliser, il faut accompagner, parce que 50% d'économie, c'est bien, mais ça ne nous permet pas forcément d'atteindre ce BBC Rénaud. Et donc là, peut-être un petit dispositif qui est d'un grand intérêt, qui vient tout juste d'être adopté dans le cadre de la loi Elan, qui est le carnet numérique, et plus globalement, l'apport du numérique dans le bâtiment. Un chiffre important également, hein, on sait que globalement, les Français restent 7 ans dans leur logement. Donc penser du par étape, c'est bien, mais si on s'arrête au milieu des étapes parce que l'on change parce de propriétaire, change, parce qu'on s'en va, se pose la question de la traçabilité. Et là, on a véritablement une réponse d'intérêt, de choix, et qui nous semble aller de toute façon dans le développement de la transition numérique, qui doit être un soutien à la transition énergétique, qui est ce carnet numérique qui va permettre de consigner l'état initial, les opérations d'ores et déjà réalisées, celles qui restent à effectuer, et pourquoi pas, comme le propose aussi un certain nombre d'acteurs, et notamment Alain Mogard, hein, dans le cadre du plan national de rénovation, une bonification pour aller jusqu'au dernier geste. On arrive au terme de notre échange, hein, donc on a bien vu à toutes les étapes et tout ce qui est important à faire. Il y a une autre chose, vous êtes aussi un représentant donc de l'énergie gaz. On en est où avec, on va dire, le verdissement de cette énergie et où on va et quels sont les objectifs?
Alors, on est pleinement dans une, là aussi, une trajectoire exponentielle. Si on regarde à ce jour la réalité du gaz renouvelable, elle reste encore limitée. On est globalement à 1% par rapport à la consommation que l'on a actuellement. Ce qui est important de regarder, c'est non pas ce que l'on a actuellement, mais ce qui se dessine. Et on a plus de 450 projets dans la file d'attente des gestionnaires de réseaux, de sites principalement de méthanisation agricole, qui vont injecter demain dans le réseau. Et ce qui est... Donc 450 projets, ça nous permettrait de passer à combien en pourcentage ? Alors, en flux, en volume, je ne saurais pas vous dire, mais par contre, d'ores et déjà, hein, en 2018, on va dire fin 2018, le volume de gaz vert produit sera plus important que le volume consommé par la construction neuve. Et ce qui est également extrêmement intéressant, c'est que l'ensemble des produits gaz, les chaudières dont on parlait tout à l'heure, sont d'ores et déjà green gas ready. Il n'y a pas d'adaptation technologique, il n'y a pas de changement d'équipement nécessaire, puisque finalement, le gaz vert en termes de molécules, c'est le même que le gaz fossile. Voilà, il n'y a pas de différence, la machine va fonctionner de la même manière. Exactement, donc une chaudière, alors modulante, donc les dernières technologies que l'on a actuellement, sont déjà tout à fait à même d'accueillir du gaz vert et dans des proportions jusqu'au 100%. Pour finir sur les objectifs, quels sont les objectifs que vous êtes fixés, on va dire, dans le temps, en 2030, 2050 ? Alors, il y a deux objectifs. Le premier, c'est donc d'avoir un parc 100% condensation en 2030 pour nous permettre de satisfaire aux objectifs de la SNBC de baisse de 54% des émissions dans le bâtiment. Et puis le deuxième, bah, c'est l'augmentation très forte de ce gaz vert dans le réseau. Nous, on voit très bien une trajectoire se dessiner à 30% en 2030 pour arriver à cette neutralité carbone en 2050 et donc 100% de gaz renouvelable, tout en ayant baissé les besoins, puisque, je le répète, nous ne pouvons pas imaginer garder la consommation de gaz telle que nous l'avons actuellement et la couvrir par 100% de gaz renouvelable. Nous sommes bien sur une baisse de besoins, une baisse des consommations, une sobriété énergétique et un développement des énergies renouvelables, dont le gaz vert. Merci, merci beaucoup. Rendez-vous en 2050 et puis on verra où on en est. Ce sera toujours avec plaisir. Une émission à retrouver donc une émission à retrouver sur Bâti Journal TV et sur les sites de nos partenaires. Merci Florence Liévin d'être venue jusqu'à nous. Merci à vous.